Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous n'aimons que toi. Nous n'aimons que toi. Et tu es digne de nos prières. Tu es digne de louange. Seigneur, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Jésus, Seigneur Jésus. Quel que soit ton message, utilise ton serviteur, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Parle, Jésus. Parle-nous, Jésus. Oui, Seigneur, Camille Jones, vous avez péché. Vous vous êtes souillé en commettant la fornication. Votre présence déshonore la maison de Dieu. Avec Western Union, participez au MJK World Music Competition, la plus grande compétition de l'année. À la clé, 20 000 $ et un contrat dans une grande maison de disques. Présentez-vous au studio Blue Note de Selector G pour vos enregistrements. Alors, tentez votre chance. What am I to do today so I can leave this world tomorrow? Knowing I've done all that I could to heal the wounds and lift all the sorrows. Coupez, 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 stop! Claudette, tu ne ressens pas l'émotion de la musique? Yo, on reprend le début. One, two. Qu'est-ce qu'il y a, Neville? Faut qu'on répète. Chut! Écoute! Oui! 20 000 $ américains et en plus un contrat d'émission, oui! J'entends rien. Mais t'es vraiment sourd, écoute! La plus grande compétition de l'année. À la clé, 20 000 $. Yeah. Oui. Ouais. Yeah. Yeah, Rasta. Ouais, c'est super. MJK World Music Competition, en collaboration avec la Western, la plus grande compétition de musique de l'année. N'hésitez pas à nous rejoindre, venez vous faire enregistrer. No one can change my mind, I'm sure this time I'll be alright.
I know that he lives. I believe in everything that... Allons, petite, secoue-toi, Serena, mets un peu d'énergie. Nous devons gagner ces 20 000 $ pour le Seigneur. Je suis sincèrement désolée, j'y arrive pas. C'est seulement un petit peu de panique. C'est normal que tu aies peur. Papa, je le sens pas, c'est tout. Aie confiance en moi. L'Esprit Saint est là pour te guider, chérie. Ton père a raison, Serena. Nous devons modifier le tempo pour que ce soit plus commercial. Tu vois ? Avec la foi et l'espérance. Oui, papa. Alors, on essaie encore une fois, d'accord ? D'accord. I know that he lives. And I believe in everything that he stands for. To watch over me, who sent this angel? Die for me, when Mr. Anthony, tell her I for me, I'm with Susie Lee, going to Miami, private jet plane taking off with me. Ooh me, yeah, the girl them chips, every girl me, with them spaghetti. Ooh me, the girl them banana chips, girl that's what she love me for sure. Hey, hey. Zion Hill Gospel. Ouais. Nous sommes officiellement inscrits. On devrait être sur vos listes. Regarde-moi la jolie petite chrétienne. Écoutez, je ne vous trouve pas, mais je me souviens de vous. Seulement, nous avons du retard, vous n'aurez qu'une demi-heure, pas plus. Allez-y. Mais c'est pas possible, c'est toujours la même chose. Ils viennent d'arriver. Ouais, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire, Rasta ? Reste cool, man. Et c'est pas des façons de faire ça, mon frère. C'est bon, reste cool. Mais calme. Pourquoi ils passent avant nous ? Tu vas me dire ce qu'ils ont de plus que reste nous, hein ? Reste cool, man. One song, one love, one heart. One song, one God, one love. I know that he lives, and I believe in everything that he stands for. And I have faith that he will continue to guide me. Serena, c'était très bien. Écoute, il faudrait juste que tu reprennes un ton au-dessus. Allons-y, encore une fois, depuis le début. Donne-moi l'heure, Neville. Il est 4h10. Ça devient long. Man, mais qu'est-ce qu'il faut enfermer là-dedans ? Il chante pour la vie éternelle au paradis céleste. Ridicule. Non, Mista. Allons-y. Who sent this angel to watch over me? Who sent this angel to guide and protect me? There's no mistaking, love find a way. Oh gosh, no one can change my mind. I'm sure this time I'll be alright. 'Cause God is on my side. Stop, stop, on arrête. Mon père, vous avez dépassé votre temps de plus d'une heure. Dès que vous aurez débarrassé le studio de ces gens, nous reprendrons encore une fois. Entendu. Mais combien de temps vous comptez squatter ici ? Regarde-moi ces énergumènes. T'as vu comment ils t'ignorent ? T'es en train de lui parler et ils te regardent même pas. Hein, ils se croient pour qui, lui ? Tu crois qu'ils vont nous impressionner ? Nous n'allons jamais pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'il y a ? Incroyable, il vient jusqu'ici. Oh mon Dieu, il arrive. Que le feu vous brûle ! Passe ton chemin, Satan ! Brûle-toi même en enfer, petit voyou avec tes cheveux crasseux ! Vous avez dépassé votre temps. Maintenant, sortez tous d'ici. Tu ne vas pas venir faire ta loi ici avec tes poux sur la tête, tout de même. Messieurs, messieurs, nous sommes désolés d'avoir dépassé le temps. Laissez-nous encore 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Merci bien. Tu devrais lui apprendre les bonnes manières. Calme-toi. Relax. Bon, très bien. Est-ce que tout le monde est prêt ?
no one I found who can love me without conditions. Gave his own son for me. I'm so happy to be alive. C'était magnifique, Serena. Nous pouvons quitter le studio maintenant. T'as vraiment une très belle voix. Merci. Cassa. C'est pas grave, je voulais juste te dire ça. J'ai encore la chair de poule. Regarde. Serena ? J'arrive. C'est mystérieux, ton visage. Je l'ai déjà vu dans un rêve. Et je suis sérieux, j'ai vu ton visage. Je t'ai entendu chanter comme aujourd'hui. Je peux t'appeler ? Voici ma carte. C'est pas cool. Princesse, il faut qu'on se revoie, c'est vrai. Avec ta voix et ma musique, nous allons régner sur le nouveau millénaire. Tu sais, le premier vers que tu chantes, tu devrais plutôt le chanter comme ça. And I believe in everything that is done. On peut y aller, Serena. Hé, Cassa! Tu ne devrais pas leur parler, Serena. So to Babylon, I have no obligation. Check the situation, political manipulation. While the youths are still lacking education. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez rester assis. Est-ce que je peux m'asseoir? Je peux passer? Non, c'est bon, merci. J'aime encore mieux rester debout. On est pire que des bêtes. Dis-moi, Josh, tu pourrais me dépanner un peu? Je suis complètement sec. Même un petit quelque chose, ça m'aidera de toute façon. C'est gentil. Je te revaudrais ça. Mercredi, l'enregistrement des chœurs, c'est ça, Cass? Je sais pas encore, mais je te tiens au courant. Appelle-moi, ok? Sans problème. One love, les garçons. L'arrêt, chauffeur! Qu'est-ce qu'elle est bien roulée? Qu'est-ce que ça te revient cher? Elle m'a fait l'épaule juste avant. Cette fille a un problème. Très économique, man. De toute façon, faut le reconnaître, elle ne fait passer aucun sentiment. Alors que la fille du studio, elle chante comme une sirène. Elle est puissante, man. On va pas remplacer Claudette. Une parole, c'est une parole. Elle nous tire vers le bas. Avec cette fille, Bobo. On va mettre de l'émotion sur notre musique, comme un feu brillant. Je vais essayer de la voir. Ok, ok. Aaron. Mm-hmm. Tu sais le premier couplet que je chante? Oui. I know that he lives, and I believe in everything that he stands for. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait que l'Esprit Saint se manifeste en toi. C'est très bien. On aura combien d'invités? 72 ici. Waouh! J'en ai 230 sur ma liste. Ce qui fera 302 personnes. Je crois qu'il est temps d'en parler avec papa. Aaron! Je suis tellement impatient. Aaron! Tu vas pas me faire croire que t'y penses pas? Avec mon éducation, tu plaisantes? Mm-hmm. Terry, tu peux me laisser en placer une au moins? Écoute, tout est en ordre, man. Les enregistrements seront à New York dès demain.
par le premier avion. Ok, c'est d'accord. Scarface, prends-moi ça. Scarface, oh. Léon, pousse sur tes jambes, nage. Pousse sur tes jambes, man. Tu t'es noyé? Non, je ne me suis pas noyé, mais raconte. Remue bien les bras, man. Je t'ai appelé pour que tu viennes. Mais continue à remuer les bras, man. Tiens. Tout va bien, patron? Ça va aller. Qu'est-ce qu'il croit? Le fric qu'il me donne pour cette compétition paye à peine mon loyer. Qu'il aille au diable. Les mauvais esprits s'acharnent contre toi. Le directeur de la banque sur la ligne. Dis-lui que je ne suis pas là. Ce banquier à trois sous, sur mon dos à longueur de journée. Des esprits puissants viennent vers toi pour saper tout ce que tu entreprends. Je sais. Je sais. Le dernier single de Stella Bee a été un vrai désastre. Je dois sortir un méga tube. Sinon, je vais me retrouver à la rue. Ruiné! Tu vas recevoir une bonne nouvelle. J'ai fait une compile avec les meilleurs et j'ai jeté le reste. Mauvais son. La suite. C'est pas terrible. La suite. No cigarette, represents a maniac. How we cool like the ice, I say we hot like pepper. Say anything. Mais c'est carrément de la merde. Où est-ce qu'ils l'ont écrit? Dans les chiottes? Tire la chasse d'eau. La suite. Stop, start up. Stop, start up. J'aimerais bien l'écouter encore une fois. Oui, depuis le début. Dans les chiottes, ta gueule! Stop, start up. Stop, start up. C'est bon. À toi, mon vieux. Fais ta magie là-dessus. Man, ça pue! So Sally does a rap, they just can't stop me now. Even when they set their traps, they just can't stop me now. People will say this and that, they just can't stop me now. Even when they set the roadblocks, they just can't stop me. Vous étiez superbe, ma chère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Prenez votre temps pour descendre les marches. Merci. C'était vraiment bien. Au revoir. Serena, pourquoi as-tu fait venir ce barbare jusqu'à notre église? C'est pas moi. Et comment t'a-t-il retrouvé? J'en sais rien, papa. Tu devrais peut-être lui demander. Toi, tu ne renonces jamais. Je devais t'entendre encore une fois pour vérifier cette vision. J'ai les paroles de la chanson. Non, je crois pas que ce sera possible. Je t'ai réellement vu dans ma vision, tu sais. C'était il y a 3 semaines de cela, un dimanche. Tu portais une robe bleue avec des pois blancs et ce petit chapeau. Oh. Je te présente mon fiancé, Aaron. Et voici Mama James. Je vous présente Cassa. Cassa McKinnon. Très bien. Bonjour, madame. Sois le bienvenu. Enchanté de vous rencontrer. J'ai promis à Mama James de l'accompagner à Sansan. On peut pas traîner. Oh, tu as prévu quelque chose demain vers 13h30? Et pourquoi? J'ai besoin d'un chauffeur. On se dit demain à 14h au parc?
C'est cool. Tu m'accompagneras? Ouais. Non, je te vois demain après-midi. D'accord, merci, princesse. T'as vraiment l'intention de le voir demain? Oui. Je peux savoir pourquoi? Et sage, celui qui cherche à sauver une âme, n'est-ce pas, Mama James? Absolument, chérie, absolument. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause. Un rhum coca, s'il vous plaît. Oh, un autre pour cette superbe et talentueuse jeune chanteuse. Juste un soda, s'il vous plaît. One Love. One Love. Dis-moi, j'aimerais parler avec le groupe. Et vous êtes qui? Select G. Vous êtes Select G? Je suis le méchant loup. C'est un réel plaisir. Mais le plaisir est pour moi. Vous êtes tout à fait charmant. Je vais prévenir les autres. Vous avez un très bon son. Alors, depuis quand jouez-vous ensemble? Très longtemps. On voit que vous êtes vraiment liés, ça c'est sûr. Et donc, qui est votre leader? Ouais, respect, respect. Que des jus. Vous savez, on peut faire des choses ensemble. Rencontrons-nous demain à mon bureau, d'accord? C'est une très bonne idée. Dans ce cas, je vous attends demain. Un grand moment. Un grand moment. Claudette, cool. Chérie, fais attention à tes fréquentations. Hartley, remonte. Évite de claquer la porte. Il a dû un petit peu trop fumer hier soir. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Attends, il arrive, arrête. Serena, évite de claquer la porte. Tu reviens me prendre dans 1 heure? N'oublie pas qu'il y a une réunion ce soir, alors essaye de ne pas être en retard. Tu vas bien? Hartley, évite de claquer la porte. Je peux voir les paroles? C'est très joli ce que tu écris. What am I to do today so I can leave this world tomorrow? Knowing I've done all that I could to lift the wounds. Move all your sorrows. C'est
C'est beau, mais ce n'est pas du gospel. Hartley, tu veux bien aller nous acheter à boire? Du jus pour toi, c'est ça, hein? Yeah. Alors comme ça, t'as eu une vision? Tu dis que tu m'as entendu chanter? Oui. Tu penses que le Seigneur m'utilise pour s'adresser à toi? Ça peut être dans l'autre sens. J'aimerais que tu chantes pour moi. Un vers, s'il te plaît. Allez. Je dois montrer l'exemple. Je suis la fille du pasteur. Les règles de notre église sont très strictes. Nous ne pouvons chanter que du gospel. Mais enfin, princesse... Écoute, je ne peux même pas avoir des amis en dehors de notre église. Pourquoi pas? Mon père pense qu'il finirait par me corrompre. Sérieux? Et toi, tu crois quoi? Tu vois? C'est là toute la différence avec le Rasta. Nous essayons d'avoir un point de vue équilibré. Je veux dire... Je suis végétarien, mais j'ai des amis mangeurs de viande. Hartley? Je peux t'appeler? Je ne peux pas recevoir des appels de non-chrétiens. Viens à l'église dimanche, nous parlerons après. Tu espères me convertir? C'est la seule façon de m'entendre chanter. C'est bon? Je te remercie. Alors tentez votre chance, toute la musique, tous les genres sont sélectionnés. Alors, il va venir à l'église? Non, c'est difficile de convertir un Rasta. Convertir un Rasta? Il a écrit une chanson. Une chanson? Et il aimerait que je la chante. Alors les gars, vous préférez quoi? Un chèque? Du cash? Du cash? Avant de parler d'argent... Je sais que vous autres, vous préférez avoir du cash dans les mains, c'est pas vrai? Ouais, mais avant de parler d'argent... Oui? Ça va pas? Ça va aller. Avant de parler vous d'argent... Vous savez, nous aurons tout le temps de voir les petits détails par la suite. C'est cool, les mecs. Et 40% de bénéfices pour vous? Ça me semble un peu beaucoup. Classique! Tu vois? Voilà. Où tu vas? Si j'ai bien analysé ce contrat correctement, vous êtes le directeur artistique de notre musique. Classique. Ce qui veut dire que vous êtes libre de modifier les paroles, de remixer notre musique. C'est uniquement du marketing. Cibler un public plus large. Jamais ! Enlève tout ça ! Je ne donnerai à personne le droit de toucher à notre musique. Nous ne ferons aucun compromis sur cela. Classique. Je ne peux pas déroger à la règle. Il n'y a pas de négociation possible. Classique. On y va. Je peux me dessaisir de mon âme par amour, mais pour quelques billets, ça jamais. Neville, Josh, allez, on y va. Viens, Josh. Préviens le studio. Appelle-moi Stelady. Nous ferons les enregistrements cette nuit. Classique. Nous n'avons eu que ça dimanche dernier? J'ai bien peur que oui. Il y a une petite chose que je souhaitais vous demander. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Serena aille chanter avec les Rasta? Serena chanter? Avec les Rasta? Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh! Alors, elle ne vous a rien dit? Non. Mes chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, vous êtes les enfants du plus puissant roi de l'univers. Cela fait de vous des héritiers. Des princes!
Ce qui nous rend différents des autres. Oui, oui. Différents des autres. Oui, monsieur. Alors, redressez-vous avec majesté. Marchez avec dignité. Que de votre corps émane la royauté. Ne peut se mêler à ce qui est abject. Et cette royauté implique des responsabilités. Il ne faut fréquenter personne en dehors de notre église. Il paraît que Serena a été vue avec Arasta. Alors tu jacasses Aaron? Souvenez-vous de Samson. Je ne savais pas que tu ne lui avais rien dit. Je crois pas que ce soit son problème. Quand il devint esclave. T'as pas confiance en moi ou tu crois que je peux pas gérer ça toute seule? Ils lui crevèrent les yeux. Parce qu'il avait oublié sa promesse. Quand on s'associe à des païens, on s'associe au diable. Et quand on parle du diable... Vous osez entrer ici pour corrompre ma fille par des paroles insidieuses et par des tromperies. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez! Sortez, j'ai dit! Chacun de ces pétales te dira l'amour que j'ai pour toi. Tu dîneras jamais. Le révérend Fraser a accepté de célébrer notre mariage. C'est pas génial? Super. Et voici la vraie bonne nouvelle. J'ai une proposition très intéressante. Ils ont des suites nuptiales absolument divines. Je vais y jeter un coup d'œil à notre retour. Oui, d'accord, tiens. Oui. Mais tu m'as pas dit que tu voulais que je te conduise? Non, ça ira. À plus tard. Allons-y, Hartley. D'accord, je t'attends ici, je fais un peu de compta. Je suis désolée pour hier. Princesse,
s'agit pas de toi, mais de ton père. D'accord? Aya Heights. Yeah. Hey, Cass. C'est une petite sœur, Serena, la chanteuse dont je parlais. Ah, Isis. Et lui, c'est son frère, Hartley. J'ai besoin d'une heure pour discuter un peu, cool? Cool. Bobo, c'est bien la fille qu'on a vue au studio? Eh, hey, mais c'est une chrétienne. Une voix est une voix. Hé, hey, Kassa, viens une seconde, man. Attends-moi, Brassé. T'as pas oublié la bague de fiançailles? Ah, il s'agit pas de ça, man. Rasta, t'auras pas de sexe avant le mariage. Mais que pour la musique, cool. Cass! C'est qui, cette fille? C'est une amie de la famille. Sista, t'en fais un petit peu trop, tu sais. Yo, c'est de l'argent qu'elle veut, tu sais. Ouais, on dégage. C'est cool. Ça ira. Sarasta. C'est à moi qu'ils en veulent, Sista. Ça n'a rien à voir avec toi. Hartley, essaie de lui parler un peu. Serena, reviens. T'as bien vu que c'était pas de sa faute. C'est quoi le problème, Rasta? C'était pour plaisanter, man. Ma musique est une plaisanterie pour vous, Rasta? Alors débarrasse-toi d'abord de ce qui te rendra faible, Rasta. Dis-moi quand je me suis montré faible, hein? Allez, laisse ça, Rasta. Quand est-ce que je me suis montré faible? Participer à la plus grande compétition de l'année. Reggae, R&B, raga, rap, ska, rock'n'roll. La chance de vous sourire. Présentez-vous au studio Blue Note de Sélectin C pour les enregistrements. Je comprends pourquoi vous avez décidé de vivre en marge. Cet endroit est magnifique. Avec qui tu vis ici? Personne, c'est ça. Et la fille qui était au stand? Claudette? C'est un gars de la bande. Et comment t'expliques qu'un homme comme toi n'est personne? Je suis un amoureux de la musique. Tout comme moi. Yo, par ici, mon pote! Bumbo! Yo, man! Ouais. J'arrive pas à le croire! Qu'est-ce que tu deviens, man? Tu traînes plus par ici? Où t'étais passé, mon frère? Tu sais, je suis là, on peut aller. Hé, hey, bling bling! Et voilà! C'est pas mal! T'es fiancé? Oui, en fait, tu sais,
Tu sais, je me marie le mois prochain. Avec qui? La fille d'un pasteur. Passe. Ouais. Tout de suite, viens, viens, non, tout de suite, non, viens. Man, on non, va arranger ça, man. Allons boire un verre, man. Non, mais c'est tu fais du pognon avec le gospel, man. Trop fort. Non. Tu te souviens de ce bar où on passait tout notre temps, le binocle? Eh, man, il me demande tout le temps de tes nouvelles. Mon père a refusé que j'aille au conservatoire. Faut que tu sois pas souillé. Non. Il voulait que j'épouse Aaron. Tu l'aimes? Nous devons nous marier dans la foi. C'est vraiment n'importe quoi. Quand je serai grand, je me choisirai une nana super bien roulée. Dès que je la verrai, mon cœur fera boum. En vérité, après la mort de maman, la joie est sortie de notre vie. Je sais ce qu'on ressent. Comment ça? Ma princesse a été tuée l'année dernière. Je pouvais plus chanter. J'arrivais plus à écrire. Mais la vision qui m'a redonné espoir peut t'aider aussi, tu sais. Écoute, je sais pas. J'ai besoin d'un petit peu de temps. J'entends toujours sa voix. Elle me hante jour et nuit et m'attire vers elle. On dirait que tu as de nouveau la chance de vivre un grand amour. Oui, mais avec une chrétienne. J'ai connu Rasta autrefois. Cet homme était fou amoureux d'une femme. C'était l'époque où certains d'entre nous coupaient leurs dreadlocks. Elle ne croyait qu'à l'église. Lui ne croyait qu'en la sagesse Rasta. Finalement, il a pris une femme Rasta, un vrai démon. Elle a transformé sa vie en un véritable enfer. Ne laisse pas une telle chose t'arriver. Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Il vit toujours avec ses regrets. On a toujours le choix entre deux chemins. Un large et un autre escarpé. Mais le plus difficile mène souvent au bonheur. Hey, salut, ici c'est Jerry, le plus grand de tous les MC. Vous êtes tous impatients devant vos écrans, mesdames et messieurs, Jacques Deville. Jamais dans l'histoire de la musique jamaïcaine, une compétition n'a réuni autant de participants. Mesdames et messieurs, nous avons enregistré 87 inscriptions. Les juges ont fait un travail vraiment difficile. Ils devaient cependant faire un choix. Restez avec nous. Après cette page de publicité, nous aurons les noms des participants à la finale. Tu vas bien? Oui. Nous sommes de retour sur le plateau de sélection des MJK World Music. Nous saluons au passage tous nos partenaires pour cette compétition réussie. Voici venu le moment que vous attendez tous. Bien sûr, le premier finaliste est le Zion Hill Gospel. Nous allons découvrir maintenant qui sera le deuxième finaliste. Mesdames et messieurs, il nous manque encore un finaliste. C'est fantastique. Silence, silence, silence. La finale se déroulera à Kingston lors d'un grand show avec des vedettes internationales. Nous serons présents. Ce sera sûrement un grand moment. Et maintenant, le dernier sélectionné pour ce grand concours. Attends. Le finaliste numéro 8. Ma parole, mais c'est divin, Matrix. C'est pas normal. Encore une manipulation de Babylone. Vous réussirez la prochaine fois. Ne t'en fais pas pour ça. Votre tour viendra, je le sais. Je vais prier pour vous. Oh, je te cherchais partout. Je pensais que tu serais plus enthousiaste.
Qu'est-ce qui va pas? Aaron, c'est à cause du mariage. Tu as peur? Hein? C'est tout à fait normal, tu sais. C'est le stress. Tout le monde panique un peu avant de dire oui. Je t'avoue que la semaine dernière, moi aussi j'ai paniqué. Tu sais, cet engagement pour la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare et ouf! Mais ça ira. Tout ira bien. Non, c'est autre chose que de la peur, Aaron. Je pense qu'on devrait attendre. Attendre? Attendre. J'ai encore besoin de temps. J'ai besoin de repenser à certaines questions. Je t'en prie, Serena, ne me fais pas ça. Tout est déjà organisé, le mariage est entièrement payé. Écoute, je ne veux pas de pression. Serena, je t'aime. Réfléchis à ça. Mais c'est ce que je fais, Aaron. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say that, and I still love. I'm still in love. Je suis Claudette et j'aimerais voir Selecteur G. Et vous avez pris un rendez-vous? Non, mais il sait qui je suis. Oui, monsieur, il y a une certaine Claudette qui souhaite vous voir. Oh, si c'est la jolie petite poupée du beau prince, faites-lui remplir un dossier médical. Oui, monsieur. Vous devez remplir ce dossier médical. Hein? Pour chanter? Mama James, pourquoi tu ne t'es jamais mariée? Je l'ai laissé s'en aller. Tu n'as pas trouvé à le remplacer? Il y a eu des occasions. Quoi? Tu as des regrets? Il n'est plus question de regrets maintenant. Est-ce que tu penses encore à lui? Quelquefois. Tu le vois toujours? Qu'est-ce que tu crois? Je ne vais pas creuser ma propre tombe. Mais pourquoi tu me demandes ça? Oh, j'aimerais être sûre que je prends la bonne décision. Choisis-en une. Allez, prends-en une. Comment sais-tu que tu as fait le bon choix? En fait, je ne sais pas. Ma fille, tu as regardé les deux. Et tu as fait ton choix. Dire que j'étais désolée. Désolée que tu ne participes pas à la finale. Je te remercie, ma princesse. Et toutes mes félicitations. Oui, merci, mais que cela ne te décourage surtout pas. Hein? Parce que tu as beaucoup à offrir. Ce n'est qu'un petit obstacle, tu comprends? Je t'entends, je t'entends. Viens par ici. Ma princesse. Si seulement je t'avais rencontré en premier. Je sais. Maman, je sais que tu voulais que je sois heureuse. Et aujourd'hui, je me sens comme si je revivais. Mais comment être heureuse et rester fidèle à Dieu?
Oh mon Dieu, donne-moi la force. Serena, tu as ajourné le mariage sans même m'en dire un mot. Hein? Je savais ce que tu aurais dit, papa. Alors le problème est réglé, hein? C'est tout ce que tu as à me dire? J'ai besoin d'un peu plus de temps pour parler avec Dieu. Avec Dieu? Dieu n'a pas cessé de s'adresser à toi. Mais tu ne l'entends pas. Il y a des perturbations sur la ligne. Tu ne vois donc pas ce qui se passe? Satan a forgé sa route jusque dans ton cœur. Et il se sert de toi pour détruire ma crédibilité. Pour détruire l'Église. C'est 30 années qu'il m'a fallu pour bâtir cette Église. Cette congrégation que ta mère a édifiée avec moi, elle doit se retourner dans sa tombe. Mais maman n'a jamais été d'accord pour Aaron. Écoute, ma fille, je reconnais que ta mère n'était pas toujours remplie d'Esprit Saint. Je sais combien tu l'aimais. Mais tout comme toi, elle était faible face aux assauts de Satan. J'ai prié pour son âme comme je prie pour toi aujourd'hui. Ô Dieu Tout-Puissant, tout comme tu rejetas Satan en le chassant de ton royaume céleste, sors-le de l'esprit de ma fille. Mon enfant, écoute, écoute-moi. Il n'y a pas pire destin que les flammes de l'enfer. Tu comprends? Tu veux donc brûler en enfer? Non, papa. Tu voudrais être tourmenté dans les flammes non, de l'enfer? Non, papa. À jamais maudite? Non, papa. Alors tu dois accomplir la volonté de Dieu. Tu dois être à l'église à 3 heures pour essayer ta robe de mariée. Oh. Serena, fais-le pour moi, s'il te plaît. Il n'a pas fait ça. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Rasta, t'as un problème avec moi? T'es venu nous voir? T'as proposé un contrat? L'instant d'après, tu jettes notre musique en pâture aux chiens? Vous semblez m'accuser de quelque chose. Claudette? Elle, c'est la preuve vivante. T'as entendu ça? Tu savais que ce type était un voleur? Tu ferais mieux de ne pas oublier où sont tes intérêts. As-tu déjà entendu un morceau qui ressemble, ne serait-ce que très vaguement, à celui-ci? Écoute attentivement. Non, patron. Foutez le camp. Me touche pas mal. Dégage, Rastaman. Reste cool, Bobo. Laisse tomber. Tu n'es qu'un esclave domestiqué. Tu me voles ma musique. Et tu me menaces avec une arme de babylonien, c'est ça? Tire alors, négro! Tire! Babylonien! Que le sang se répande! Cool, Bobo. Viens, j'ai un plan. Serena connaît notre chanson. Ces gamins ont besoin d'une bonne leçon, Oscar. Tu nous as amené ici, Cass. C'est le seul endroit où on peut la trouver, man. Joshua, j'aime pas le bruit que j'entends. T'aimerais pas leur allure non plus. Attention, Rasta. Reste bien à côté de moi, Neville. Yo. Tu cherches ces mecs. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais arrêter votre manège. Bon, alors, on prend la livre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce qui se passe?
dire que mon boss t'a volé? Et je reviens pour vous finir! Un par un! Nous savons où vous habitez, et nous savons où vos familles habitent! Toutes! Je commencerai par cet aveugle débile! Chèvre au curry. Ah, merci beaucoup. Posez-le ici. Nous sommes invités à assister à une réunion avec les autres finalistes de la compétition, ce vendredi. À quelle heure? 7h30. Je serai à une réunion du conseil. Alors Serena, Mama James et toi, vous pourrez représenter la chorale. D'accord. Et moi aussi, papa, s'il te plaît. Tiens, mon garçon. Tu ne manges pas, Serena? Non, papa. J'en aurai plus. Pose ça. Et pourquoi tu ne manges pas? Parce que je suis contrariée. Papa, je vais avoir besoin de nouvelles chaussures pour l'école. Qui est devenue la paire du trimestre dernier. Elles sont complètement fichues. Trop de football. Football? Avec tes chaussures d'école? Elles sont pas gratuites, tu sais. Nous devons les payer. Est-ce que tu sais d'où vient l'argent? Ils poussent sur les cocotiers, papa. Ce n'est pas drôle. Tu as dit à papa que les Rastas ont été attaqués? Oui. Je parie qu'il ne t'a pas dit que personne n'était intervenu pour les aider. Ça devait être une histoire de drogue. Les Rastas vivent du trafic de drogue. C'est normal qu'ils aient des problèmes. Toutes les injustices envers les Rastas ont un rapport avec la drogue? Ça n'a pas de sens, Aaron. Et même si c'était effectivement le cas, nous sommes pacifistes. Nous devons protéger nos frères en toutes circonstances. Quelle est ta pointure maintenant, mon garçon? Je fais du caron, papa. Restez assise, mademoiselle. Papa, est-ce que je peux sortir de table? Non. Quand une famille partage un repas, tous les membres restent à table. J'y avec, même. Qu'ils brûlent et que leurs esprits soient paralysés à cause de leur complot avec Babylone. Qu'ils soient détruits. Le jour où nous étions chez lui, j'ai entendu très clairement la combinaison du coffre. Et tu t'en souviens? 15 à droite. N'importe quoi! Attends! 12 à gauche. 11 à droite. Oui. J'aimerais savoir. Cet homme qu'on appelle Selecta, il craint nos esprits? Oui. Les odeurs d'encens remplissaient la pièce. J'ai le sentiment d'avoir été dessaisi de mon âme. Personne n'a le droit de voler ma musique. Alors, que comptes-tu faire? Nous avons un plan pour nous introduire chez Selecta G. J'aimerais vous aider. Je ne veux pas que tu sois impliqué. Mais je le suis déjà, Cass. Alors maintenant, une femme chrétienne vient pratiquer le culte Rasta. Non, Rasta, ce n'est pas acceptable. Nous ne pourrons pas y arriver sans elle.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'on laisse tomber? Qu'on se plie face à l'injustice? Je sens qu'elle sera une grande prêtresse. Comment tu m'as retrouvé? Grâce au gardien de Selecta G. Il fallait que je te parle. Cass, ce jour-là, chez Selector, je sais que je vous ai laissé tomber, mais... Je comprends. Écoute, Cass, si jamais il te voit ici... Relax, calme-toi. Oh, c'est pas possible. Rapproche-toi un peu. Écoute, la chanson rapporte de l'argent, tu le sais. Et une partie te revient. J'ai une idée, mais j'ai besoin de ton aide. Oublie ça tout de suite, Cass. Tu n'as rien à perdre. Je risque ma vie. Cet argent est le fruit de notre travail. C'est aussi ton argent. Bienvenue à tous. Oui, je vous remercie, merci, merci. Nous sommes heureux d'avoir réuni tous les finalistes de la MGK World Music Competition. J'attends demain avec impatience car nous recevons demain M. Terry Doll, qui est le financier et l'initiateur de ce très, très grand événement. Mais il est temps maintenant que je vous présente celui sans qui rien n'aurait pu se faire, M. Peter Douglas, l'organisateur. Peter! Merci, c'est le coaching. Comme vous le savez tous, cette compétition est très importante pour nous et son déroulement tout aussi important. Soyez donc très attentifs aux informations... Dépêche-toi un peu! Calme-toi! C'est quelle porte? Viens, c'est celle-ci, juste à droite. Remets bien le cadran sur le zéro. Cass, elle est là. C'est super. Très bien. Repose-la et sors de là. Dépêche-toi, sors de là. Attends. Pose ça sur son bureau.
Et rappelez-vous ceci, peu importe qui gagnera, nous sommes tous ici pour représenter la musique jamaïcaine. Encore une fois, merci à tous et bonne chance. En tout cas, ces petits rassas ne sont plus dans la compétition. Calme-toi, calme-toi. L'homme qui est dehors est le plus grand sorcier de l'ordre mystique de la nation. Il peut lire tes pensées. Il est rentré dans ton coffre et a sorti des documents. Reste calme. Les Rastas parlent avec les esprits. Et l'inscription ? Pourquoi elle était dans ton coffre? Elle aurait dû être à New York. Alors on n'était pas inscrit. Où est l'enregistrement? Ne me dis rien. Le grand sorcier peut me donner la combinaison de ton coffre. Bou! 12 à droite, 11 à gauche. Le voici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il devrait être aussi à New York. Ne m'en veux pas, dis-moi ce que tu veux. Le versement de nos droits. Contrat classique. Signe ça. Pour le moment, tu nous dois 50 000 dollars sur nos royalties. Tu es venu les chercher, mais tu ne pourras pas les garder. Notre lutte est un combat entre esprits. Et on revient à la compétition. Et s'il arrive quoi que ce soit ? À n'importe quel membre de ma famille. Et si tu n'exécutes pas tous mes ordres, tu perdras l'usage de tes oreilles. Tu deviendras sourd. N'oublie pas, c'est tout ce que tu possèdes, Monsieur Music Man. Une oreille. Calme-toi. Sois tranquille. Je contrôle la situation. Tu conduis si vite! Aaron! Aaron! Tu t'arrêtes ici? Il faut que je te parle, Serena. Mais c'est pas un endroit pour s'arrêter. Tu pourrais me raccompagner à la maison. Serena, je t'aime. Tu me rends dingue. Serena! 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 Serena, reviens. J'essaie de parler. Serena, lève-toi. Non, ne me touche pas. J'aimerais qu'on parle, viens. Yo. Serena, lève-toi. Yo. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, qu'est-ce que tu fais? Dégage, sale rasta. Oh. Arrêtez. Allez, viens. Je te raccompagne chez toi. Allez, viens. Ouais, Scarface. Ouais. J'ai besoin d'un service.
ce qu'il y a entre nous, Serena. Je ne sais pas, Cass. Peut-être qu'on pourrait en parler demain. Tout va bien. Princesse. C'est grâce à toi. Nous devons être mariés. Je t'aime, Serena. Et j'aimerais que nous soyons ensemble. Alors, s'il te plaît, fais-toi baptiser. Deviens Rasta. Je ne peux pas. Libère ton esprit et suis ton cœur. Et toi, accepte Jésus. Je ne pourrai pas. Je t'aime. Alors brûle cette peur. Non. Non. C'est l'amour qu'on doit brûler. Mais qu'est-ce qui se passe? Reste tranquille, toi! Ne bouge pas! Qu'est-ce que vous faites? Ferme-la! Hé, regarde! C'est quoi ça? C'est un piège! Ils ont monté ce coup, Serena. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, hey! C'est le ton. Mais où est passée Serena? Pourquoi elle met tout ce temps pour acheter du tissu? Je ne sais pas. Elle est un peu bizarre ces derniers temps, hein? Ouais. C'est pas étonnant. On devrait reprendre cette... Monsieur le commissaire, bienvenue. Master, c'est Serena. Elle est au commissariat. Je crois que c'est un problème de drogue. Serena? De la drogue? Quoi? Vous feriez mieux de m'accompagner. Ça va aller, allons-y. C'est possible. Ça ira. Dis-moi la vérité. Je veux savoir si c'était à toi. Princesse, tu n'as donc rien appris? Tu n'as donc rien entendu? Un Rasta n'est pas un dealer de drogue! Cocaïne ou ganja, c'est exactement la même chose! Tu dois avoir confiance en moi. J'ai été piégé. Patron! Yo! Tu vas être fier de moi! De quoi? Tout est réglé, patron, pour ce petit voyou de Rasta. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis occupé de lui.
Et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu crois? Je l'ai piégé. Je l'ai piégé. Ils l'ont même coffré. Hein? Dreadlock va s'en prendre au minimum pour 30 bonnes années. Idiot. Mais pourquoi? Va dans la voiture. Monte, allez, dans la voiture. Monte tout de suite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Stupide balafré crétin. Monte dans la voiture. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Monte tout de suite. Je me suis débrouillé pour la caution. Dès qu'ils en auront fini avec les papiers, nous pourrons... Je suis tellement désolée. Mon enfant, je vais te dire quelque chose. Tu m'as cloué sur la croix. Je suis couvert de honte par ta faute, Serena. Nous en reparlerons plus tard. Ainsi renoncer aux qualités que... Pasteur. Ça ne change rien pour moi, Serena. Je t'aime toujours et j'espère que tu accepteras de m'épouser. Ma fille... C'est elle qui décide. Gardien. T'as vu ça? Un corbillard! Non, 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 patron, j'ai rien vu, patron. Le corbillard? Non, le corbillard! Corbillard! Est-ce que cette radio marche? Je ne sais pas si elle est allumée, elle marche? Oui, patron. Oui, patron, oui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, plus fort. Il faut que tu élèves la voix plus fort. La radio est allumée, je patron. Je n'entends absolument rien. La radio marche, patron. Tu crois que je suis complètement sourd, man? Je suis sourd? Allô? Oui, oui. Le téléphone? Ou oh, allô? Patron, hurle, arrête de hurler! Je ne hurle pas! Il ne marche pas, putain! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Corps. Allez, sors de la voiture. Attends, je vais m'acheter un truc à manger, j'arrive. Viens tout de suite. Là-dedans. Quoi? Allez. Je te dis que j'ai faim. Et j'ai vu une boutique et... D'accord, j'y vais, j'y vais. D'arrestation. Aaron? Non, messieurs, vous entrez dans mon église pour arrêter Aaron? Vous faites une grossière erreur. Et quel est le motif? Il a comploté pour faire accuser Monsieur Cassa McKinnon de trafic de drogue. Ah, mon Dieu, Aaron, dis-moi qu'il se trompe. Dis-moi que ça n'est pas la vérité. Nous avons des aveux écrits et signés. Ah, mon Dieu. Passez-lui les menottes. Mettez-vous par terre, vous aussi. Allez, par terre. Dépêchez-vous. Aaron, ne fais pas ça. Je t'aimerai toujours, Serena.
Comme au bon vieux temps, hein, Aaron? Yo, c'est bon, vous êtes réinscrit à la compétition. 6h ce soir pour le show. Super. Allez-y. Yeah, man. On est nouveau dans la compète, man. Allô? Hey. Allô? Je suis vraiment désolée, Cass. Tout s'est fait tellement rapidement, j'ai pas réfléchi. Je t'aime, Cass. Tu m'aimes? Toi? Si tu m'aimais, t'aurais eu confiance. Tu ne m'aurais pas abandonné. C'est fini. Je n'ai jamais tenu compte de toi, de ton bonheur, ni de celui des enfants. Je n'ai pensé qu'à moi. Et tout comme je t'ai perdu, je suis en train de les perdre. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a mis face à mes responsabilités d'homme et de père. Je ne suis pas digne de diriger son troupeau. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu es tout ce que j'ai. Viens, papa. Il était temps. J'ai failli renvoyer tout le monde. Pour ça, faudrait me tuer avant. Il n'y a plus personne au synthétiseur, papa. Aujourd'hui, le pianiste, ce sera moi. Toi, papa? Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai fait un peu de musique. Et pour le reste, l'Esprit Saint s'en chargera. Il a raison, nous connaissons la chanson. Allons-y, papa. Allez, tout le monde en voiture. Allez, dépêchez-vous dans le bus. Ayez confiance et progressez. Mesdames et messieurs, bienvenue au MJK World Music Competition. Voici le moment tant attendu, la finale de la MJK World Music Competition. Mais avant d'écouter tous nos participants, j'aimerais remercier monsieur Terry Dole, sans qui rien n'aurait pu se faire. Et n'oublions pas notre très grand Selecta G. Maintenant, il est temps de commencer le spectacle. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble le groupe Innocent Crew. Stage, it's a bird, it's a plane, it's an innocent crew. Ain't a damn thing changed too. Who's next on the DJ train? Come in, Kappa, and drive them insane. I thought it was the FBI. Let me tell you, you're scared of flipping out of them, but you're not scary. Why did you think so? You're back up near me. Quelqu'un a vu la chorale? Non. Ils doivent être en train de prêcher. Qu'est-ce que t'as dit? Redis-le encore. Redis-le encore. Yo, calme-toi, Kassa. Calme-toi, Rasta. Écoutez, après c'est à vous. Allez, allez. Yeah, yeah, yeah!
Nous accueillons maintenant nos cinquièmes concurrents, Freedom City. One. A one. A one. Cass, t'es coincé, Rasta. A one, two, three. Rasta, qu'est-ce que t'as? One, two, three. What am I to do today so I can leave this world tomorrow? To heal the wounds and live all the sorrows. Well, let righteousness be your guiding light, and let love keep you warm right through the night. Maybe one by one we can see that something can be done. So to Babylon, I have no application. Check the situation, political manipulation. While the youths are still lacking education, so through tribulation, we burn segregation. And revelation will bring our redemption. Serena. Serena.
better. Yeah. Express yourself in your love letter. Yeah. I am here to give you extreme pleasure. Yeah. I'm the man you write about down in your ledger. Yeah. My love, my lucky, have the key to my fortress. Refer to you as my royal highness. Yes, God bless, simply flawless. May I love you, put the egg in your basket. Another woman in your life, there's no contest. Girl, you've got all my love, I gotta confess. Beauty, very special, really and truly.